Le tribunal pour enfants en France a débuté depuis la loi du 22 juillet 1912. Et aujourd'hui, nous allons interroger quelques élèves de 6e pour savoir leur idée sur ce sujet. Je sais pas. Mais le tribunal pour enfants, c'est que le juge commande des affaires pour enfants. Bah, c'est quand tes parents divorcent et que tu vas là-bas pour voir si tu es avec ta mère ou ton père. En France, il y a 154 tribunaux pour enfants. Le tribunal pour enfants se situe entre la justice pénale, où il s'agit des infractions à la loi, et la justice civile, où on traite les litiges entre personnes privées. Alors, le tribunal, donc, c'est vraiment un juge spécifique, hein, un juge qui a vraiment une sensibilité particulière. Il y aura tout un monde d'éducateurs qui est mis en place. Il y a tout un accompagnement qui est mis en place pour les enfants. Et également, il y a les jugements ne se font pas publiquement, puisque la règle en matière de jugement, c'est que le jugement est public, vous pouvez assister à n'importe quel tribunal et rentrer dans la salle, et d'ailleurs les salles sont ouvertes, et vous pouvez aller écouter une décision de justice, les plaidoiries, etc. Lorsqu'il y a des mineurs, ce n'est pas le cas. C'est ce qu'on appelle un huis clos. Ici, nous avons un schéma d'un tribunal pour enfants. Le juge, en salle de tribunal, on le nomme Monsieur le Président. Ensuite, on a les deux assesseurs. Juge qui assiste le président du tribunal et délibère avec lui. Le greffier fait respecter la procédure. Le procureur procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des auteurs d'infractions pénales. Alors, les enfants sont protégés. On part du principe que les enfants ne sont pas responsables. En tout cas, jusqu'à l'âge de 14 ans, ils ne sont pas responsables du tout. C'est leurs parents qui sont responsables. Et au-delà, vous allez avoir des sanctions. Il y a des sanctions beaucoup plus faibles et surtout des mesures éducatives qui sont mises en place. Et c'est des juges qui sont extrêmement sensibilisés à la cause des enfants qui s'en occupent. Donc c'est vraiment on a vraiment un juge particulièrement dédié dans ce cas-là. En réalité, la grande majorité des mineurs ont plutôt affaire à la justice civile, dont la mission est de protéger ceux qui sont en danger. Le juge des enfants peut placer un enfant en famille d'accueil pour sa sécurité physique et psychologique. Par exemple, en 2013, David, 5 ans, inquiétait sa maîtresse d'école maternelle, car son corps et attitude montraient des signes de maltraitance. Les parents de David étaient alcooliques et violents. Au tribunal pour enfants, le juge décida de protéger David en le mettant en famille d'accueil. Le tribunal pour enfants protège les enfants d'aujourd'hui pour leur donner une chance d'être des adultes épanouis. Comme ça, notre monde futur sera meilleur.